Dans le sud du Kenya, le jour se lève. Ratika et ses compagnons attendent cet instant depuis des mois. Le retour des gnous. Cette herbe luxuriante fournit de quoi nourrir le plus grand troupeau sauvage du monde. C'est une aubaine pour les chasseurs d'orobos. Mais la compétition est rude. Tout le monde veut sa part du butin. Y compris l'un des plus redoutables tueurs de la planète. Comment de simples humains dépourvus de griffes et de crocs font-ils pour rivaliser avec un tel adversaire? Rakita utilise son intelligence. Voici son plan. Laisser les lions tuer les gnous et ensuite leur voler leur proie. Pour ça, la présence de ses deux compagnons est indispensable, car les lions ne se laissent pas intimider facilement. Avant toute chose, Rakita doit retrouver la trace des lions partis chasser. On va suivre ce chemin. À 65 ans, Rakita est un vieux chasseur. C'est lui qui ouvre la marche. Il connaît bien le comportement des lions et sait repérer leur présence. Le chacal appelle parce que les lions sont proches. Tout indique qu'une proie a été tuée à proximité. Étienne. Rakita a déjà été attaqué par des lions. Il sait que l'expédition peut mal tourner. On a le corps tendu et le cœur bat très fort. Ils vont devoir affronter une quinzaine de lions affamés. Mais s'ils restent unis, ils parviendront à les intimider et à les éloigner de leur proie. C'est le moment d'y aller. Il suffit d'avoir du cran. Un vrai coup de bluff. Soudain, les lions détalent. Rakita ne dispose que de quelques minutes avant que les lions réalisent qu'ils se sont fait avoir. En un instant, il découpe une cuisse du gnou et le petit groupe bat rapidement en retraite. Quand on arrive à voler une proie sans que personne ne soit blessé, là on se détend.
Et on se sent vraiment heureux. Voilà un scénario qui se répète depuis la nuit des temps. Les chasseurs se sont toujours servis de leur cerveau et pas seulement de leurs muscles pour affronter leurs puissants adversaires. On les a bien eus. Ils étaient combien à ton avis? Une quinzaine, peut-être plus. C'est pas tout le monde qui s'attaque aux lions. Certains sont trop lâches.